Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lemmy Koopa et comme promis dans la dernière vidéo, on se retrouve ici. Hein. Salut, ton arme est prête. Parfait, merci beaucoup. Waouh. Bon sang, avec une arme comme celle-là. Oui. J'ai une faveur à te demander. Ah bon? Je veux que tu venges mon frère. Eh bien, on peut dire que ce n'est pas une petite faveur. C'est ma mission! C'est la seule raison pour laquelle je fabrique des armes depuis 4 ans. Je me fiche de l'argent, tout ce qui m'intéresse, c'est de créer une arme assez puissante pour tuer ces salauds. Quel salaud? Ceux de la montagne, cette petite ombre et son robot. Une ombre s'est alliée à un robot? Il y a une ombre là-bas? Ouais! Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va la tuer. On va lui niquer sa mère, la pute! Je disais donc. Oh! Oh putain, elle est lourde! Ah ouais! Dans le doute quand même. À chaque fois qu'on voit un point de sauvegarde, de toute façon, faut le faire. Alors. Parce que je veux pas prendre de risque de merde là. Bref, on va niquer des mères. C'est parti! Wahouhouhouhou! Wahou! Wahou! J'aime bien faire les bruits de Mario. Quand j'aurai fini mon plat secret, je l'offrirai à Lemmy. Il verra que je peux être utile moi aussi. 4 février. Ce serait marrant que je sorte cette vidéo le 4 février. Non, ça veut dire que le let's play doit démarrer depuis... Depuis... Ouais, non, flemme. Je sais même pas quand je le mettrai ce let's play, putain de... Oh, t'as... Oh! Mais arrête, fils de pute! Je vais tuer. Je vais te tuer, le jeu. Je vais t'enculer et te faire du mal. Par logique, on va au deuxième sous-sol. C'est ma logique à moi. De toute façon, on nous a même pas dit qu'il fallait aller où, hein, concrètement. Donc, à voir. Écoutez, on va peut-être mettre pause pour voir. Hein. Bon, quand le chargement est fini, mais voilà, quoi. Mais quand cette cinématique de merde aussi est terminée. Éliminer le robot qui a tué le frère. Ouais, ça me donne tellement d'indices. C'est impressionnant. C'est toi? Ouf, putain le bruit. Ah mais là on active le combat auto. Hein. Évidemment, fallait s'y attendre. Ouais. Et merde. Ah, hop, ça c'est con. Ah là là, ce qu'il y a ! Bon, est-ce qu'ils sont encore cassés comme ce qu'on avait fait dans la dans une des dernières vidéos ? Hop. Alors. Ah là là.
Puis ils servent à rien les alliés quand même, hein. C'est des sacrés branleurs. Yo. Oh. J'aimerais que Lémi m'envoie des lettres tous les jours, mais il est occupé, alors un jour sur deux, ça me va. Ce serait pas déconnant hein, qu'il faut aller à la montagne des robots profondeur. Mais merde, fallait s'y attendre, comme d'hab. Ah bah... Oh, c'est lui je crois. Hein. Oh oui, largement. Alors là, si c'est pas lui, je comprends pas. Hein. Oh putain, quelle violence! Quelle enculade! C'est magnifique! Non mais regardez-moi ça, on lui fait du... C'est très violent. Sincèrement, c'est très vulgaire ce qu'on vient de lui faire à ce robot. C'est une vulgarité dont... Ah, je suis très choqué par cette violence. Hein. C'est pire que du Peggy 18, là. Même des personnes de 18 ans sont choquées devant ça. Et merde. Voilà, ça nous fera des trucs à vendre. Et ça, c'est cool. Ouais, allez, à voir. Hein. Fallait s'y attendre. Oh putain, quel bordel! Wow. Ah oui. Et c'est pas fini. Ça y est, on a tout pris. Je crois. Ouais. Un temps de chargement. Je me demande ce qui peut éventuellement avoir derrière cette porte. Que dalle. Un combat. Non, même pas, ils ont été assez cool. Merci le jeu, je t'aime. Ouh, par contre, ça c'est nouveau, on n'a jamais été là. Ou alors je m'en rappelle vraiment pas et il faut vraiment s'inquiéter de ma mémoire. Déjà que ça, c'est inquiétant à l'heure actuelle, donc... Une ombre qui vit avec une machine, c'est du jamais vu. C'est étrange, non? D'accord, on se rapproche. J'en sais rien, je m'en fous. L'important, c'est qu'on doit les tuer. Ok, bon, on est sur la bonne voie alors. Ouh. Oh. Quoi? Allez, on va là, hein. Mais... Bizarre. En tout cas, tant qu'il parle, moi, je me dis qu'on est sur la bonne voie, donc... Mais c'est étrange, je vous l'accorde. Non, pas du tout, c'est bel et bien la bonne voie. Allez, plein de robots, j'imagine. Nous avons trouvé l'entrée de la cachette de notre ami robotique. D'accord, enfonce alors. As-tu perdu l'esprit? Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend en bas. Mais ça nous évitera de faire un détour. Allez, viens. Ok, par contre... Je sais qu'on n'aura pas de game over, mais mieux vaut pas prendre de risques. Hein. On sait jamais, et je fais jamais confiance aux jeux vidéo. Wouhou! Bichour! Ah merde! Oh ça désactive tout, c'est pas très sympa. Petit connard robot de merde. Grand robot de merde. Oh! Oh! Mon dieu, ils ont fait une alliance! Mais quel est ce bordel? Ah ouais, P33, c'est bien lui. On va lui niquer sa mère!
Soyez tous prêts à cette violence. Oh putain, il a des miniguns dans les mains. Bon, clairement, j'aurais pu passer la cinématique si je l'aurais su. Regardez l'ombre. Cette chose donne des ordres au robot. Il faut éliminer l'ombre. Bah merci connasse. Ah quoi que comme ça hein. Extermination, sion, sion, sion. Non bordel, c'est une ombre, une ombre. Ouah. Qu'est-ce que c'est stylé, putain de merde. Oh. Ah. Ah. Oh, quelle violence. Ouah. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh. D'accord, il se construit des ailes parce que... Nique sa mère. Extermination, sion, 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 sion. Ouais, bon. Il peut se transformer. Ordre. Garde les bruits qui tombent. Fuis. Pas explorer le monde de. Doit protéger, doit combattre. Non, encore Kanye, elle allait à l'attaque, mais l'autre, qu'est-ce qu'il branle? Ouais, c'est ça. Attendez deux secondes. Non, pas de ça. Bon, déjà. Commencement. Ouais, c'est pas utile, hein. Où est-ce que tu vas comme ça? Un simple robot ne saurait égaler la grandeur du grimoire, Waze. Tu n'arrives pas à me concentrer avec ton ramassis de conneries. Oh my god. Ah, bye vous tous. Ah. Oh putain, c'est gênant. Ah. Oh putain. Oh, ça couvre. Oh. On dirait Clank. De racheter Clank. Ah mais on peut plus l'attaquer là. Ouais. Ah faut tuer les ombres, ok.
Oh l'enfoiré de fils de pute! Allez, c'est parti! Oh! Bon, vous auriez pu mettre des sous-titres. Mais bon, tant pis. Bon, du coup, on l'a bien niqué, c'était... Oh, toi. Connasse de machine, tu as tué ma famille. Tu as pris tout ce que j'avais. Oh, il est pas content. Peu. Je peux te parler? Allez, arrête, ça suffit. J'ai fait, maintenant que cette chose est crevée, je peux explorer où je veux. Tu vas voir ça, le monde, je vais fabriquer des armes toutes puissantes les unes que les autres. C'est à moi maintenant, tout est à moi. Ouh, écoute, on a compris, d'accord? On a compris. Écran noir. Devola a dit que Kainé était bien faite de sa personne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je veux être comme elle quand je serai grande. Ça veut dire qu'elle a des belles formes. Je crois. J'avoue que même moi, je sais pas ce que ça veut dire, donc je m'en branle. Les blessures du cœur ne seront jamais soignées par la haine et la folie. Il est peut-être incapable de réagir autrement pour le moment. La vengeance n'est qu'une illusion. Je sais. Bon, qu'est-ce qu'on doit foutre maintenant? Oh! On doit aller où, les copains? Mais maintenant? Ah bah... Merci, connard! Bon bah, on va se barrer. C'était sûr. C'était tellement sûr que c'était l'endroit où j'allais partir, de toute façon. Donc, c'est pour dire. Elle est cool, cette musique triste, hein. Ce jeu, il en a pas mal, hein. Pourtant, c'est pas un jeu si triste que ça. Genre, ouais, t'as des moments un peu déprimants, mais ça s'arrête là, on s'en branle. Après, c'est marrant, hein, genre, quand notre soeur s'est fait capturer, quand lui, il a perdu son frère, c'était rigolo. Mais bon, ouais, je n'ai pas de race. Non, on n'a pas le temps de vous combattre. Oh, bah toi, tu m'intéresses, mon pote. Allez, vite, avant que toutes ces merdes se ramènent. Oh putain, il y en a encore qui se ramènent, merde! Occupez-vous-en d'eux! Vite! Dommage, on peut pas rentrer par la petite porte là-bas. C'est dommage. Ça aurait été cool. J'ai des marques noires sur tout le corps, parfois je me demande si je vais me transformer en gobelin, mais ça me fait peur d'y penser, alors j'essaye d'éviter. T'as des traces noires sur le corps et le seul truc auquel tu penses, c'est être transformé en un gobelin. Un gobelin, normalement, c'est vert. Oui, j'ai que ceux de Clash of Clans en tête. Bon, honnêtement, quand on pense à un gobelin, on pense à un petit truc de merde tout vert en général. Donc, c'est comme un troll. Ou un ogre. Mais en général, pour l'ogre, on pense plus à Shrek. Donc, bon, en même temps, parce que c'est le goat, mais bon. Nouveau sur la clé du château du maître des ombres, Popola? C'est drôle, j'allais juste m'entendre parler. Tu te souviens de l'air? Cet endroit déprimant qui n'est plus que l'ombre d'un village. Apparemment, le village a beaucoup changé. En 5 ans, j'ai envie de te dire encore heureux quand même, hein. Sinon c'est chaud là. Je viens de recevoir cette lettre de la part du village. Regardez. Salutations à vous et à votre village, j'espère que vous allez bien. Voilà trop d'années que notre village s'est coupé du monde et nous souhaitons changer les choses. C'est pourquoi nous avons décidé d'établir une boutique dans le village. À la présente ouverte, et j'ai hâte d'y accueillir de nombreux clients venus du monde entier. En ce qui concerne le mot-clé sacrifice, que vous avez mentionné, un de nos villageois prétend connaître la signification. Je vous invite à lui en parler lors de votre prochaine visite à l'air, dans l'attente de vos nouvelles. Le sacrifice, c'est le nom d'un des fragments de clé, c'est ça? Tout à fait, j'ai changé des informations avec les chefs des autres villes. Popola, tu es génial!
Tout cela semble un peu trop simple. J'ai bien peur que le Grimoire Way ait raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais les habitants de l'air sont restés isolés du reste du monde pendant des années. Et à présent, ils ont ouvert plusieurs routes commerciales et sont même prêts à offrir des informations sur le Maître des Ombres. Je suis d'accord, ça cache quelque chose. Quelque chose de dangereux. Vous réfléchissez trop. Et puis de toute façon, je me fiche que ce soit dangereux. Je n'arriverai jamais à sauver Yona si je ne prends pas de risques. S'il y a des ombres là-bas, je n'ai qu'à les exterminer, c'est tout. Oh merde. Si tu y tiens vraiment, je ne peux pas faire grand-chose pour t'en empêcher. Adresse-toi au chef du village à ton arrivée. Bisous. Ah, je pensais que t'allais me dire un truc. Wouhou! Bon bah on va prendre le bateau, je pense. L'affaire n'était pas dans les livres de Devola, alors je vais l'appeler Lemmy. Lol. C'est rigolo, hein. L'air, hein. Eh bien, allons voir le chef. Cet endroit est si déprimant. Wouhou! Wouhou! Non, on peut pas, il y a un mur invisible. Putain de jeu de merde. Tout va bien? Ouais. Oui. Ça va. Ta santé a diminué, sois plus prudent la prochaine fois, veux-tu? Comment le sais-tu, connard de livre? Ok, faut aller à la plaine septentrionale. Oh putain, quelle vitesse! Hop, 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 hop. Oula, trop vite. Wouh! Wouhou! Tu sais, je parle qui... Je parie qu'ils vont... Oh, ta gueule! Il est chiant, hein? Oh! Ah là là! Oh, cochonou, mon petit cochon. Eh merde. Ah, ok. C'est la ville de Kainé, je crois, l'air. Ouais, je crois, c'est... Ouais, c'est clairement la ville de Kainé. Oh, putain. Quand je lis Ned de Lemmy, j'éprouve le besoin de le revoir vite. 5 avril. Eh ben. Là, c'est littéralement la ville de Kainé. Hey Kainé, on est chez toi. Ah bah, elle veut pas venir. C'est bizarre. On se demande pour quoi elle ne veut point venir. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est rigolo. Ah ouais, on est à... Oh 9h29, 30 secondes de jeu. Putain, ce que c'est propre. Oh, putain, on en a des trucs, hein. La 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 la. Ah bah ouais, ils sont sortis. Et effectivement, il y a du commerce. C'est étrange, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Donc, tant mieux, je suppose. Par contre, ils vont pas trop avoir peur de Emile, dans le doute. Non, parce que déjà, ils respectent pas Kainé, mais alors Emile, oh le pauvre. Il va en chier, le gamin. Vous périrez tous! Tous! Bah, ta mère la pute. Coucou! Qu'est-ce qu'on a là, messieurs, dames? Ah! Ah! Ah, c'est 10 le maximum? Quoique pour 5000, honnêtement, c'est rien. Hein. Ouais. D'accord. Oh, je m'en branle. Qu'est-ce que tu me donnes, toi? Armurie. Ah, ça se tente, ça, mais non. Et toi?
Ah, t'as juste 4 en moins, hein. C'est con, hein, parce qu'il aurait pu être grave cool, mais non, pas besoin du coup. Bah, merci quand même. Hein. Non. Ouais, on verra ça un jour, peut-être. Hop. 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 Merde. Yop. Yop. Hop. 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 Et merde. Non. Hop. Hop. Ha ha. Ouais, bon, là, ça servait à rien, en fait. Qu'est-ce que je branle ici, en fait, moi, déjà? C'est marrant. D'accord, bon, je me suis fait dès le début, comme un connard. Pour changer. Ouais, mais je faisais comment déjà pour aller là-bas? J'ai oublié. En même temps, ça date quoi. Ça date qu'on n'est pas revenu ici, donc... Ah, ok, par là, je crois. Ouais, nous y sommes presque. Bravo. Wahoo. Hihihihihihihi. Bonjour, on vient du village de Popola. C'est la fin! Nous aimerions vous parler de la lettre que vous lui avez envoyée. Nos jours sont comptés, notre village est condamné! Ma parole, c'est de votre vie, me surprendra toujours. C'est vous qui avez écrit cette lettre, non? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas de but que nous obtiendrons les réponses que nous cherchons. Interrogeons les villageois, l'un d'eux doit être au courant de quelque chose. Par logique, ouais. Ah, d'accord, pas toi. Ta mère la pute. Ta gueule. Oui, elle a jamais eu de chance, connard. Ah là là. Oui, il est perdu comme tout le monde sur Terre. Bah si tu veux qu'on fasse un truc qui s'arrête, et bah on le fera pas. Juste pour te casser les couilles. Chet. Bon, j'imagine qu'il faut parler à eux. Ce serait logique. Je suppose. On va quand même parler aux trois maisons là, parce qu'on sait jamais. Hein. Les ombres nous ont encore attaqué la nuit dernière. C'en est fini de nous et de vous. Je ne crois plus en rien. Parce que tu croyais en quelque chose. Ah bah putain, t'en as hein, de la volonté, mon pote. Enfin, t'en as de l'espoir surtout. Vous périrez tous. J'ai peur, je ne fais confiance à personne. Ah, je sais pas ce que c'est.
Cela vous arrivera aussi, ce n'est qu'une question de temps. Bah, ta sœur. Ah bah voilà le connard qui est important. Bichour. Une lettre, hein? Oui, je crois bien avoir entendu parler. Donc vous êtes au courant pour cette lettre? Peut-être que non, je ne sais pas trop. C'est oui ou c'est non? Oh, et si ce n'est pas trop indiscret, êtes-vous des amis de Kainé? On peut dire ça. Ah, j'ai entendu les rumeurs. Vous êtes venus chasser les ombres, c'est ça? En effet, notre objectif est de les vaincre toutes jusqu'à la dernière. Toutes jusqu'à la dernière? Toutes? Toutes? Toutes, 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 toutes. Wouah, c'est une ombre! Oh, le bâtard! Bon sang, c'est un piège! J'avais compris! Ouais, en même temps, bizarrement, tout le monde est dans sa maison, sauf quelques mecs random. C'est vrai que ça paraissait bizarre, hein. Restez vigilants, il y en a sûrement d'autres qui rôdent aux alentours. Vous prenez vraiment votre temps, hein. Besoin d'aide? Kainé, les villageois sont possédés! Mais pas tous, certains sont humains, alors faites attention. Bon, qui est possédé que je lui nique sa mère? J'en peux plus! Ouh, attendez, je restez là, vous. Putain, il y en a de la possession là-dedans. Allez, aidez-moi, par pitié! Pourquoi êtes-vous venu ici? Par les dieux, aidez-nous, par pitié, nous ne sommes pas des ombres! Maman, ça fait mal, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'avoue, maman, qu'est-ce que tu fais? Espèce de méchante, va. La 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 la. On ne sait plus qui est humain ou non! Wesh, Kainé! Sors d'ici! Pas question, je ne peux pas abandonner ma propre sœur! Kainé, qu'est-ce qui se passe? Ne te fais pas voir par cette femme, c'est une ombre. Et en fait, c'était pas une ombre. Putain, imaginez l'horreur. Non! Non! Ouh, ça va être un boss, lui. C'est vous, les monstres! Recule, gamin. Ta sœur est l'une des leurs. Pas présent. Ombre ou pas, je m'en fiche. C'est ma sœur, je l'aime. Ouais, enfin, là, elle va quand même te niquer, hein. Donc, sœur ou pas sœur, même si je l'aime bien, je serai ok qu'elle crée. Oui, bah, allez, encore un coup pour changer. Putain, elle en prend plein la gueule, Kainé, hein. Donc, bah, allez, un petit plan sur le cul. Pour changer. Bon, bah, gamin, on va niquer ta sœur, hein. Je vais l'enculer à mort. Oh putain, il y en a plein. Oh putain. Oh mon dieu. Kain ! Tuez-les ! Tuez-les tous immédiatement ! Non ! Arrêtez ! Nous essayons de vous sauver des ombres. Je vous en supplie, arrêtez ! Emile, il faut qu'on sorte d'ici. Kain ! Debout ! Vite ! Attendez deux secondes.
Serait-ce le moment d'utiliser nos objets, bon, déjà, pour commencer, hop. Quand même. C'est parti, on va faire un putain de carnage. Laissez-nous tranquille. Attrapez-les. Oh, niveau 22. Oh putain, quelle puissance on en a 4 maintenant. Alors, en même temps, c'est vrai que je suis en double tout. Mais... Tout est de votre faute. Là-bas, des villageois sont attaqués. Bon sang, Kainé, tu dois te lever. Emile, surveille Kainé, je vais faire le ménage là-bas. Oh putain, lâchez votre arme, je vous en supplie. On est littéralement là pour vous sauver, mais vous, que peuvent bien être ces tourbillons noirs? Et ben nous allons le découvrir tout de suite, lol. Oh, un combat de boss, je ne m'y attendais pas. En même temps, une grosse arène comme ça, s'il n'y a pas de combat de boss, c'est bizarre. Partez, c'est trop pour moi. Laissez-moi tranquille. Oh. C'est une ombre. Mon mari est une ombre. Aïe. Force, hein. On n'est pas du tout ensemble, là. Pourquoi êtes-vous venu ici? Tout allait bien jusqu'à votre arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, une goutte de larmes. Non, sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, bah, j'ai ma réponse. Je n'en crois pas mes pages. Cette créature est également une ombre. Non, jure. Cette chose a absorbé les villageois. Non, si ça continue, nous allons tous les tuer. On ne peut pas faire ça. Notre village, notre monde, où suis-je? Qui suis-je? Tu es mort, enfoiré. Je sens quelque chose à l'intérieur de la créature. Ouais, ça s'appelle des gens qui chialent. Et c'est très rigolo. Oh bordel de merde! Ah! C'est le pouvoir combiné de toutes ces ombres. Il n'en faudra plus qu'un élu pour nous y arrêter. Le premier qui sert. Bref, j'ai pas compris. Non mais sérieux, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, je crois que ce sont des gens. Ne retenez pas vos coups, ce sont des ombres. Les tentacules qui l'entourent parent les sorts. Ah, par les sorts. Ok, on se soigne un peu quand même.
Quelle vitesse! Ok. Le mot Solsar, je sais pas ce que ça veut dire. Éliminer le menu fretin n'aidera pas avant leur chef. Ah merde. Peut-être, mais au moins ça nous aide sur certains trucs, donc c'est pas plus mal. Maintenant, vise le centre de la créature avec tes sorts. D'accord, bah, c'est ce que je suis. Oh. Yay. Oh. Et ça a rien fait. Ah si, mais ça vibre beaucoup dans la manette en tout cas. Oh merde. Attention, l'ennemi attaque. Non. Jure. J'aurais pas deviné. Son point faible est situé sur son dos. Essaye de l'attaquer d'en haut. J'essaie de l'immobiliser. Emile! Ah, je vais l'occuper. Tu devrais pouvoir l'attaquer de derrière. Me dis pas que j'étais vraiment obligé de faire ça. Non, ça va. Je vais te taper, je vais t'enculer le jeu, je vais te faire du mal. Wesh Kainé, toujours morte, pour changer. En fait le pire c'est que moi je me dis si on nous la fait tuer à chaque fois, c'est seulement parce qu'elle est surcheatée et qu'elle peut niquer les ombres en 2 secondes. Quoi? Non mais, excuse-moi, c'est quoi ce bordel là? Faut que j'aille... Mais faut que j'aille où? Bah non, pas par là. Faut que je monte là, là. Non, pas d'échelle. Bah non, il n'y en a pas quoi. Ah si, par là. Mouais. Bon. Oui, bah merci, fils de pute. Faut que je monte par où?
Ah ok, par là. Ouais bah Emile, si tu veux pas que je te tue pendant que tu dors, t'as intérêt à tenir. Hein. Et je te jure que je le ferai sans hésiter et sans aucun regret par la suite. You must strike it in the eye. Eh ben putain, c'est long hein, pour viser son nez. Bah merci connard, mais là je mets aucun dégât en fait. Non mais sérieux, faut faire quoi là? Ça y est, au bout d'un moment, on va pas tout faire. Hein. Flemme. Après tout ce qu'on lui a mis, ce monstre arrive encore à bouger! D'accord. Explosion obscure, qu'est-ce que c'est? Mmh. Aïe. Putain, c'est long, hein. Bah ouais, bah c'est ce qu'on fait, hein. Voilà, enfin il est mort, putain de merde. Ah, il était... Ouh. Ah oui, là, c'est vraiment pour le... Ah oui, là, c'est pour le... C'est pour le buter. Oh, violent. Bon, en même temps, il le fout. Oh, 6 juin 2010, attaque physique inefficace, attaque bref, vous avez tout lu. Mais là, on a eu un rapport très important. Emile, Emile, attends! Emile! Il ne t'entendra pas, son instinct a pris le dessus. L'arme ultime se déploie! Et Kainé qui rate tout ça. Ah non, ça va, c'est réveillé. Oh. Oh putain!
Mon Dieu. Et du coup, il nous a téléporté où au final? Parce que on dirait pas qu'on était dans la plaine Septnatoria alors. Je sais pas comment ça se dit, mais vous avez compris. Ouah, il a détruit toute l'île. Oh putain. Ah ouais, là ils sont tous morts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué des innocents! Je les ai tous tués! Mais tu nous as sauvés. Hein? Sans toi, nous serions tous morts. Nous te devons nos vies. Mais je... Ne t'en fais pas. Vraiment, laisse le passé derrière toi. Vous avez obtenu le fragment de clé, le sacrifice. On ferait mieux de s'en aller. Ouais. Ouais, et ben nous allons aussi nous arrêter là, donc moi de mon côté j'irai jusqu'à notre village. Et puis voilà, hein, on se retrouvera là-bas du coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lemmy Koopa, et puis moi je vous dis à très vite pour la suite de Nia Réplicante. Au revoir tout le monde.